mais surtout sur son statut de fille 2, un statut pas toujours facile à gérer. Je suis très fière de porter son nom, mais il n'est pas si facile à porter. Fière de sa famille et surtout de son père, la cadette du clan Belmondo veut malgré tout poursuivre sa propre destinée, loin de tous les préjugés. Je déteste être réduite à ma lignée, c'est presque humiliant. Je préférerais qu'on m'identifie pour mes mérites. Stella Belmondo brillera donc seule au bal des débutantes le 30 novembre prochain, même si son père ne sera évidemment pas très loin.